comment payer 0 euros d'impôt sur tes prochains investissements locatifs. Je te dis tout dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, tu auras la cloche, tu cliques bien sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. J'ai aussi mis en place une formation en partenariat avec mon frère avocat en droit des sociétés et droit de l'immobilier. Donc tu pourras télécharger cette formation, elle est offerte, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc dans cette vidéo, on va voir comment payer 0 Walou, 0 euros d'impôt sur tes investissements immobiliers. Déjà, premier point, si tu es débutant, ce n'est pas la chose qui doit le plus te tracasser. Parce que je reçois beaucoup de questions de débutants qui me disent « Damien, comment je peux réduire ma fiscalité ?» Alors, le premier point, c'est que ta fiscalité, que tu choisisses du LMNP, la SCI à l'IS, la SARL de famille, du LMP, du NU, quoi que tu fasses, tant que tu n'as aucun bien, tu sais quoi, ta fiscalité, elle est de zéro. Parce que tu as zéro revenu locatif. Donc, le premier truc à faire, c'est… Ce n'est pas forcément à t'orienter sur quelle fiscalité choisir, mais plutôt à essayer de trouver des bonnes affaires, une belle négociation, une étude de marché. Donc, tu as plein de vidéos sur la chaîne dans lesquelles je parle de ça. Ça, c'est vraiment primordial. Maintenant, si tu veux réellement modifier ta fiscalité et la réduire à zéro, le plus important, c'est la base taxable. C'est la base qu'on va prendre pour payer tes impôts. Donc, plus tu vas la réduire, donc la mettre à zéro, voire la mettre en négatif avec du déficit, et moins tu vas payer d'impôts. Dès que tu es à zéro, tu payes 0 euros d'impôt. Dès que tu passes en déficit, tu payes 0 et tu engranges entre guillemets un déficit pour les années qui suivent. Donc par rapport à ça, effectivement, là, le statut que tu vas choisir, il peut être important. Tu me connais, j'aime pas donner des réponses généralistes. Le plus important, je vais te dire, il faut regarder ta stratégie. Est-ce que tu veux que l'immobilier te fasse un revenu complémentaire tout de suite ou est-ce que tu veux que ce soit une vision un peu plus long terme. Par rapport à ça, c'est là que tu vas choisir un statut différent entre le LMNP par exemple ou la SCI. Mais le plus important, si tu veux payer 0 euro d'impôt sur tes prochains investissements, c'est juste de diminuer ta base taxable. C'est quoi ta base taxable? Tu as tes revenus locatifs qui rentrent et ta base taxable, c'est la base qui va être prise en compte, le montant qui va être pris en compte pour calculer ton imposition. Donc, cette base taxable, c'est tes revenus locatifs et c'est tes OREL moins tes charges. Selon le statut, par exemple, si tu es en LMNP, tu vas pouvoir amortir ton bien. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos où je le mettrai dans le petit « i ». Une petite vidéo où je te mets une étude de cas du LMNP avec les chiffres réellement. Donc, je t'encourage à aller la voir. Mais du coup, en LMNP, tu vas pouvoir amortir le bien en retirant bien le foncier, en retirant le terrain. Mais tu vas pouvoir amortir le bien, tu vas pouvoir passer beaucoup de charges. Et du coup, tu vas réduire au fur et à mesure ta base taxable. Et c'est ça qui va te permettre, quand on dit de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années, c'est réellement ça, c'est le fait de pouvoir réduire ta base taxable pendant plusieurs années. Tu la réduis à zéro, tu payes 0 euros d'impôts. Il n'y a pas là-dedans de recette miracle, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'escroquerie. C'est juste mathématique. Si tu gagnes 30 000 euros de salaire à l'année et que tu arrives à avoir des réductions qui t'amènent ton salaire à taxable, ton revenu fiscal de référence, tu le baisses pour qu'il arrive à zéro pour l'imposition. Tu vas payer 0 euros d'impôt. Avec tes revenus locatifs, c'est la même chose. Tu vas gagner 30 000 euros de revenus locatifs, mais tu vas passer des charges et des amortissements. Ça ne veut pas dire qu'il faut… Faire des travaux, c'est pas open bar, faut pas se rajouter 15 000 euros de travaux parce que tu veux réduire ta base taxable. Mais tu vas faire en sorte de choisir, par exemple, du LMNP qui va te permettre d'amortir pas mal d'éléments, comme si tu achètes des meubles, tu vas pouvoir amortir l'immobilier. Tu vas acheter une télé pour ta colocation, tu vas pouvoir amortir la télé. C'est quoi un amortissement? C'est que tu vas prendre, par exemple, une télé qui coûte 1 000 euros, tu vas l'amortir sur 5 ans et du coup, tu vas pouvoir amortir 200 euros par an. Et ça va réduire ta base taxable. C'est un peu technique tout ce qui est amortissement, etc. Là, il est super intéressant par rapport à ça. Si tu fais du LMNP, je t'encourage à prendre un expert comptable. Si tu fais de la SCI, je t'encourage, en tout cas pour la SCI à l'IS, à prendre un expert comptable. Si tu veux faire de l'immobilier comme un business, je t'encourage à avoir des vrais professionnels. On peut tout faire tout seul, aller déclarer, prendre les bons formulaires, faire ses amortissements, etc. Mais ce que je dis souvent, c'est contrôle ce que font tes partenaires, mais laisse-les faire. Il y a des professionnels pour faire ça et toi, si tu es un professionnel pour de la négoce, si tu kiffes ça, tu es un professionnel pour trouver des bonnes affaires, ben, reste dans ton domaine de compétences et délègue les parties où il y a des gens qui travaillent tous les jours dessus,
qui sont faits des règlements et compagnie. Là, on a plein de règlements différents. Ils sont en train de sortir des choses entre le LMNP, le LMP, etc. Je vois pas mal de choses passer. Et en fait, bah, tout le monde a raison parce que pour l'instant, comme c'est pas fixe et c'est juste des effets d'annonce, bah, en fait, on pourrait se faire des heures et des heures de commentaires sur des choses qui ne sont pas réellement fixes parce qu'en fait, pour l'instant, c'est du vent tant que ce n'est pas complètement validé. Donc voilà, c'était rapidement dans cette vidéo pour t'expliquer comment tu pouvais réduire tes impôts à zéro. C'est tout simple, considère la base taxable et c'est ta base taxable qu'il faut réduire au maximum. Et tu as des stratégies comme le LMNP, comme la SCI qui peuvent te permettre de réduire ça considérablement. Et j'ai fait plusieurs vidéos avec mon frère sur la partie SCI, donc dans la formation que je t'offre. Hein. Tu peux la télécharger, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et on te parle des nuances entre ces différents modes de fonctionnement. Et ça va dépendre un petit peu de tes objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Il y en a qui veulent se sortir un revenu complémentaire tout de suite. Il y en a qui veulent se sortir un réel revenu tout de suite. Il y en a qui veulent se faire une sortie de la case prison parce qu'ils voient le salariat comme une case prison. Ils ont le droit. Et dans ces cas-là, ils veulent le faire à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et par rapport à ça, les stratégies vont être différentes. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like. Partage-la à des amis ben, qui sont investisseurs en herbe ou qui se sont lancés mais qui veulent vraiment passer à la vitesse supérieure. Et toi, dis-moi dans les commentaires, ben, qu'est-ce que tu mets en place pour réduire au maximum ta base taxable? On sait qu'on est en France, on est dans un beau pays, mais on paye des impôts. Donc, mets-moi dans les commentaires ce que toi, tu mets en place pour réduire ton imposition par rapport à tes revenus locatifs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, passe à l'action, prends soin de toi. Ciao, ciao.